Salut à tous, on est parti sur 9 rounds de 3 minutes, récup 30 secondes. Donc on commence par un échauffement de 2 minutes, vraiment tranquille. On peut partir en shadow, mais après on peut travailler sur le sac, tout léger. Un peu le cardio. Et on essaye de jouer aussi sur les genoux et les coudes. Bougez bien les pieds, tournez autour du sac. Donc on est parti sur 3 minutes, donc en fait ça va se décomposer en 1 minute à chaque fois. Et pendant 1 minute on va faire une gauche. Puis après, on va faire la gauche-droite pendant la seconde minute et la troisième minute gauche-droite et un coup de pied gauche. Soit en switch, le coup de pied gauche, soit vous le faites en retrait en fait. Ça dépend de votre style. Allez, c'est parti pour une gauche. De bien rentrer le menton et on va essayer de se protéger avec l'épaule, vraiment type boxe anglaise. Donc c'est bien la jambe droite qui va pousser pour donner de la force au poing gauche. Alterner avec des coups forts et des coups faibles, rapide, non rapide, ciblé en haut à droite. Allez, gauche-droite, c'est parti. Bougez bien vraiment autour du sac. Pareil, modifiez votre intensité, la gauche peut être faible et la droite très forte. On peut varier les niveaux aussi, gauche en bas, droite en haut, vice versa. Sur gauche, droite, kick gauche. Et pareil, en low kick ou en high kick, on les deux.
et pensez à bien bouger après votre enchaînement. Deuxième round, 1 minute de droite, 1 minute droite-gauche et la dernière minute droite-gauche et kick droit. Droite gauche, c'est parti. Droite gauche. Droite gauche. Je peux me décaler après, soit vers la gauche. Près du but, ou alors une esquive rotative gauche. La bonne rotation des hanches, c'est important. Allez, c'est parti. Droite, gauche, kick, droit. On est toujours en position initiale. Hop, et je reviens tout de suite. Ok, 30 secondes de récup. Ici, donc ça va se décomposer en 30 secondes à chaque fois. 30 secondes de gauche-droite non-stop, 30 secondes de kick gauche non-stop, 30 secondes de kick droit non-stop, à faire deux fois. Ici, c'est du cardio, donc frappez pas comme un mulet. Soyez relâché, rapide. Bien sur vos appuis. Allez, c'est parti, let's go. Soit en statique, soit vous bougez autour du sac. Allez, c'est parti, non stop.
de balancier avec votre bras gauche et pensez à vous protéger avec votre bras droit. Et le pied revient derrière. Droit, même chose, balancier, on balance bien la hanche, le pied pivote et il revient. Droite non-stop. Allez, soufflez bien. Gauche, go. Pliez bien le genou, soyez pas jambes tendues à chaque fois. Allez, kick droit. Parti. Allez, allez, allez. Allez, bien joué. Ok, on est reparti sur un cycle de 3 minutes, décomposé en 1 minute à chaque fois. Donc 1 minute de front gauche, 1 minute de front droite et 1 minute gauche, gauche, droite, squat. Front gauche. Soit vous reposez devant, soit derrière. Pour ceux qui peuvent, c'est de rester tout le temps la jambe en l'air en fait. Et donc d'être toujours sur un pied. Beaucoup plus dur, mais un très bon exercice d'équilibre. Le pied d'appui est légèrement décalé pour ouvrir la hanche, pour pouvoir mieux appuyer et gagner en distance. J'évite de frapper avec le talon, mais plutôt avec la plante du pied. Utilisez le mouvement du balancier avec le bras droit, ça aide pas mal. Et mon bras gauche vient en défense. La dernière minute, gauche, gauche, droite, squat. Hop. En fait, le squat, c'est une initiation pour l'esquive rotative droite.
Allez, allez. Bien plier les genoux, c'est pas le dos qui se plie, c'est les genoux qui se plient. Et on regarde toujours le sac. Regardez pas par terre. Allez, 30 secondes de récup. On reste sur 3 minutes. Alors ça, c'est un exercice type vraiment taille. On envoie un kick droit, on se protège sur la droite, en fait, on imagine qu'il y a un kick gauche adverse qui va arriver en version taille et on redonne tout de suite un front de gauche. On pense ici à s'appliquer surtout. J'envoie mon kick, je me protège, j'envoie bien mon front de gauche. Ici, soyez bien en appui lors de votre protection. Ce qui permettra de bien se protéger lors d'un coup et aussi de pouvoir envoyer correctement le front. Et on peut aussi varier le front de gauche par un chassé gauche. Kick, protection, front. À bien garder votre protection. Ok, 30 secondes de récup. On part sur la même chose mais inverse. Donc kick gauche, protection gauche sur un kick droit et front droit. Vous partez soit en switch, soit en garde inversée.
cherchais plutôt à être technique là-dessus. Même consigne que tout à l'heure, soyez toujours bien en équilibre sur vos appuis. Ceux qui veulent après, c'est lancer le genou gauche, quasiment en sauté, après le front droit. Hop, dès que le sac revient, genou gauche sauté. Secondes de récup, on part sur 3 minutes maintenant, gauche droite, crochet gauche et un low kick droit. C'est un basique de chez basique. Ici, après le crochet gauche, repositionnez bien votre pied gauche pour envoyer le low kick, sinon vous aurez beaucoup moins de puissance. On peut faire une variante aussi ici,
qu'on voit de temps en temps, c'est de rester en fait devant le sac, avec la protection vraiment au niveau du visage lors du kick, lors du low kick. Ok, 30 secondes de récup. Ici donc gauche, droite, je switch, genou gauche et coude droit. Donc gauche, droite, switch, j'envoie mon genou gauche et je retombe avec mon pied droit devant. Je ne le remets pas en arrière, je repose mon pied droit devant, ce qui va me permettre de pouvoir un peu légèrement me désaxer vers la droite et pouvoir envoyer mon coude droit sur mon partenaire. Gauche, droite, switch, genou gauche, coude droit. Gauche, droite, switch, genou gauche, coude droit. Ici en combat, le petit truc, c'est que vous pouvez rabaisser en fait la garde de votre adversaire avec la main gauche pour donner le coup de coude. Spécialité détail. Ok, 30 secondes de récup et on termine tranquille sur un round de boxe anglaise de 1 minute, 1 minute en boxe thaï et 1 minute sans les gants, vraiment tranquille quoi.
Allez, la boxe anglaise, on essaie de se rappeler ce qu'on a fait. Gauche-droite et on esquive rotative. On bouge autour du sac surtout. Soufflez bien. Variez les coups, variez le nombre de coups. C'est parti, un box taille. Sur la dernière minute, on enlève les gants. Et alors là, le sac me doit à peine bouger. Je respire vraiment à fond sur mes coups. Je fais tout ralenti. Allez, bonne récup et à plus.